Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle Psycho Fox. Un jeu qui est sorti en 1989, donc sur la Master System, développé et édité par Sega. Bon, on va voir un petit peu plus tard qu'en fait il a été développé par la société Victokay, mais le nom apparaît pas sur le jeu. Et je vous dirai un petit peu pourquoi. Donc c'est un jeu de plateforme, où on dirige donc un petit renard. Donc on a le coup de poing, et là je viens de récupérer en cassant un petit œuf un espèce d'oiseau qui s'appelle le Birdfly, et qui va donc être votre arme principale dans le jeu, puisque comme vous voyez on peut donc on l'a sur le dos, on peut l'envoyer à distance. Donc on l'envoie, il fait une petite pause et après il revient directement sur notre dos. Donc une arme très très utile qu'il va falloir éviter de perdre à travers le jeu. Puisqu'effectivement, en fait, on va, comme vous voyez à l'écran, il n'y a pas de score, il n'y a pas de barre de vie, puisqu'en fait, vous avez que 2 points de vie. Alors 2 points de vie, c'est quand vous avez l'oiseau. C'est-à-dire que si vous vous faites toucher avec l'oiseau, ben, vous perdez l'oiseau. Et si vous n'avez pas d'oiseau et que vous vous faites toucher, ben, vous crevez directement. Donc en gros, ça va être un jeu assez punitif, dans le genre Die and Retry. Crève et recommence, puisqu'en fait c'est un jeu très dur dans lequel vous allez perdre beaucoup de vie. Donc là c'est une vidéo que j'ai réalisée en utilisant les save states de l'émulateur, puisque je vais pas crever en fait pendant toute la vidéo, mais en fait dans le jeu en vérité vous allez vite crever. C'est un jeu qui est assez dur. Donc c'est un jeu de plateforme typique, hein, avec des graphismes assez jolis quand même pour 1989. Et donc la particularité de ce jeu, va y en avoir beaucoup. C'est un jeu qui va pas être très connu en fait, il aura pas marqué les esprits parmi les joueurs. Et pourtant c'est un très bon jeu avec beaucoup de particularités. Ah, là j'ai une vie. Voilà, donc là je viens de perdre et en fait j'ai perdu juste mon oiseau. Qu'on peut récupérer un petit peu plus tard dans d'autres œufs. Donc à chaque fin de niveau en fait on va avoir une petite loterie. Dans certains œufs on va avoir des poches d'argent, des bourses. Ce qui va nous permettre de pouvoir disposer nos psychofox tout en bas de la loterie. Et donc voilà, les lancer et en fait on obtient soit des vies ou soit rien. Donc c'est un jeu qui comporte 7 niveaux, 7 mondes de 3 niveaux, et à chaque fin de monde va y avoir un boss, qui sont assez faciles puisqu'il faut les toucher 3 fois. Voilà, je récupère vite, assez rapidement mon oiseau. Donc à l'époque, en 1989, c'est Sega qui recherche comme toujours une nouvelle mascotte. Alex Kidd et Wonder Boy sont déjà passés par là, ils ont eu un certain succès. Mais Sega recherche donc une nouvelle mascotte pour contrecarrer Nintendo et Mario comme d'habitude. On est avant Sonic et Ristar. Donc c'est une mascotte qui va pas être utilisée plus tard. Il n'y aura pas d'autres portages, ce sera le seul jeu Psycho Fox. Il n'y aura pas de suite. Mais en fait, y a une histoire derrière ce jeu. On est en 1989 et il faut savoir qu'en 1988, sur la NES, est sorti un jeu qui s'appelle Kid Cool, qui a été aussi développé par Victokay, et qui ressemble en point par point à ce jeu, à Psycho Fox. Donc Victokay a donc utilisé le moteur pour faire ce jeu. Et pour Sega, donc pour une nouvelle mascotte, donc ils ne sont pas trop foulés. On constatera aussi en 1990, un jeu qui sortira sur Mega Drive, qui s'appellera Magical Hat, qui est sorti qu'au Japon,
et qui ressemble aussi beaucoup à Psycho Fox dans les décors, dans le gameplay. À la place d'un oiseau, on a un œuf. Bon, les graphismes sont un peu plus détaillés puisqu'on est sur la Mega Drive, mais le principe du jeu reste le même. Et en 91, on aura aussi un autre jeu qui s'appelle Decap Attack, sorti sur Mega Drive également, où cette fois-ci on jouera un espèce de squelette et lui il pourra balancer sa tête carrément. Donc en guise d'arme. Donc trois jeux qui ressemblent énormément à Psycho Fox. Les quatre jeux même, sont tous faits par Vic Tokay. Donc ça fait un petit peu du copier-coller, mais bon voilà. Psycho Fox est quand même assez joli graphiquement. Malgré le gameplay qui est assez difficile. Puisque voilà, le gameplay, on va en parler un petit peu, c'est pas un problème, mais moi c'est le truc qui m'a rebuté au début quand j'ai commencé à jouer à ce jeu. J'ai vraiment eu du mal, c'est avec l'inertie des sauts. Là ça se voit peut-être pas à l'écran, mais quand on y joue c'est atroce quoi. C'est vraiment un truc à prendre en main qui est assez dur. S'il a pas d'élan, en fait il fait un tout petit saut et on crève assez facilement donc avec ses petits sauts. Alors que quand il a de l'élan, là il y a une petite animation. Alors que quand il a de l'élan, en fait, il va pouvoir faire des sauts beaucoup plus grands. Mais le perso reste quand même très très lourd. Et donc c'est vraiment un coup à prendre pour arriver à avancer dans le jeu. Ce qui est pas évident, mais une fois qu'on a pris le coup, ça reste vraiment un très bon jeu. Donc ensuite, on a le coup de poing et l'oiseau pour le gameplay. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On va avoir aussi plusieurs types de personnages. Voilà, on va pas pouvoir jouer que Psycho Fox, que le renard. On va aussi avoir un singe, un hippopotame ou un tigre. Et ça, on peut le choisir donc en récupérant plusieurs objets dans les œufs. Donc il y a 4 armes, 4 objets. Il va y avoir la potion, j'en récupère pas mal. Qui donne l'invincibilité quelques instants. On a aussi un espèce de stick que quand on le balance ça gobe tous les ennemis à l'écran. Et il va y avoir aussi donc une arme pour changer de personnage. Voilà cette arme là, espèce d'escalier, je sais pas trop, on regarde. Et donc on va pouvoir en appuyant sur le bouton pause changer de personnage. Et donc prendre le tigre, l'hippopotame ou le singe. Donc chaque personnage a ses caractéristiques. Le tigre court plus vite. Le singe saute plus haut. Et l'hippopotame peut casser les murs. Donc casser les murs, il va y avoir quelques passages secrets où on va être obligé d'utiliser. Enfin non, pas obligé. Hein. C'est des petits passages secrets où on peut les contourner, mais bon voilà. Si on veut récupérer des œufs ou des armes, eh bien on va se servir de l'hippopotame donc pour passer. Moi, au fur et à mesure, bah, j'utilisais surtout le singe qui saute plus haut. Donc c'est vachement plus pratique quand même. Psycho Fox, lui, il a les deux. Hein. C'est un petit mélange de tout. C'est-à-dire qu'il court vite et il saute assez haut. Mais au final, vous n'allez pas trop utiliser... Enfin, moi, perso, j'utilise le singe. Et alors, le problème, c'est que pour changer de personnage, bah, il faut appuyer sur le bouton pause. Oui, oui. Le bouton pause qui se trouve donc normalement sur la console Master System, puisque la manette Master System n'a pas de bouton pause. À croire que Nintendo avait déposé un brevet pour les manettes. Il n'y a jamais eu de bouton pause sur la manette Master System. Donc ça va rendre le jeu un petit peu con, quoi, quand même. Surtout si on joue sur console, ce qui n'est pas mon cas ici. Donc ça pose pas trop de problèmes. Mais voilà, pour changer de perso et utiliser une arme, il va falloir appuyer sur le bouton pause. Donc ça, c'était le premier boss, qui sont assez faciles. Faut les taper trois fois. Ou sauf celui-ci, le premier, faut lui taper sur ces espèces de disques. À chaque fois, on va avoir une arme au niveau du boss, qui va nous aider à battre le boss. Donc là, vous avez les trois icônes des trois armes, le stick, l'escalier et la potion. Le château, c'est pour obtenir des vies. Donc à chaque niveau, il va y avoir une petite loterie. Donc ça, c'est plutôt sympa pour récupérer des vies. Donc voilà le menu pause, où on peut choisir donc... Voilà, là, je vais utiliser un changement de perso, et je vais prendre le singe, pour vous montrer un petit peu que on saute vachement plus haut avec le singe. Sinon, le level design,
Alors, il est très particulier parce que les niveaux sont assez grands. Ils sont pas forcément grands en longueur, mais par contre, ils vont être très très grands en hauteur. Et ça va être une des forces du jeu. C'est-à-dire que plus vous allez aller en hauteur, plus vous allez avoir d'œufs comme ici, où on peut obtenir donc des bourses, des armes ou des vies. Donc au niveau de la rejouabilité, c'est absolument énorme, puisqu'on va jamais prendre le même passage à chaque fois. Donc ça c'est plutôt sympa, plutôt original pour un jeu. Ça va être beaucoup développé dans la hauteur des niveaux. Donc au niveau des animations, bon, elles sont assez correctes, elles sont simples mais sympathiques. Il y a une petite animation quand on est au bord du précipice, comme souvent dans les jeux. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut glisser, on peut ricocher sur l'eau en prenant une certaine vitesse. Mais vous voyez que le personnage est quand même assez lourd et c'est pas toujours évident à diriger. Il y a un jeu au Brésil qui est sorti sous le nom de Sapo Xulé aussi, qui est un personnage connu au Brésil. Donc il a changé de nom pour la version brésilienne. Donc voilà, un jeu excellent, à une durée de vie assez longue puisqu'on va perdre beaucoup de vie. Un jeu assez dur, donc que je vous conseille d'essayer. Un très bon jeu, Psycho Fox, qui est sorti donc sur Master System en 1989. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !